l'image de notre fidèle pommier au-dessus du champ de colza nous a rappelé à nouveau le but de cette série de leçons d'initiation à l'astronomie, c'est de trouver les relations entre le cosmos et la vie, entre le cosmos et nous, et l'histoire de comment la matière s'est organisée depuis 15 milliards d'années pour être en mesure de produire des choses, des objets, des êtres vivants aussi beaux que ce pommier au-dessus du champ de colza. Notre démarche, je vous l'ai décrite et elle est représentée à nouveau par l'image que vous avez devant vous, c'est la démarche de l'explorateur qui remonte le temps vers le lointain passé de l'univers, tout comme les explorateurs remontaient le cours des fleuves, des rivières, pour arriver à pénétrer à l'intérieur des continents inexplorés et à réduire progressivement la fraction, la frange de ce territoire qui n'était pas encore connu. Alors, notre démarche, c'est donc reculer dans le passé, et là, nous empruntons la méthode des archéologues, qui est la méthode de la recherche des fossiles, utiliser les fossiles qui nous permettent de reconstituer ce qu'était le passé de l'univers, comment ça s'est passé dans ces périodes lointaines, et qui nous donne en particulier des preuves du fait que l'univers a atteint à tel ou tel moment de son passé telle température ou telle température. Jusqu'ici, nous avons étudié deux types de fossiles qui nous ont donné des renseignements de toute première importance. D'abord, le rayonnement fossile, cette lumière qui a été découverte par Penzias et Wilson, qui avait été prévue par George Gamow, et cette lumière nous a permis de remonter dans le passé à partir du temps présent. Ça, c'est l'axe du temps, ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le rayonnement fossile, la température moyenne du rayonnement dans l'univers est de 3 degrés absolus, donc moins 270 degrés centigrades ou Celsius. La découverte du rayonnement fossile nous a permis de conclure que l'univers a été, à un moment donné, on évalue ce moment à environ 15 milliards d'années, à une température d'au moins 3000 degrés, il fallait ces conditions pour que le rayonnement fossile puisse être émis au moment où l'univers devenait transparent après avoir été opaque. Il était opaque dans le passé, c'est-à-dire que la lumière ne pouvait pas le pénétrer directement, nous ne pouvons pas voir au-delà de cette frontière, mais nous avons des fossiles qui sont d'un autre ordre et qui nous permettent d'aller encore plus loin. Le second fossile, ou les seconds fossiles, c'était l'abondance relative de certains éléments qui sont l'hydrogène léger, l'hélium léger et lourd, le lithium lourd, le lithium 7. Et de cela, nous sommes arrivés à la conclusion que l'univers avait été, à un moment donné, à au moins une température de 10 milliards de degrés. Et cette température, nous pouvons évaluer sa chronologie par rapport à ce point ici, c'est environ 1 million d'années avant le moment où l'univers était à 3000 degrés. Et vous allez voir que nous allons maintenant continuer cette course vers les hautes températures. Nous allons atteindre des températures extrêmement élevées et les temps vont raccourcir considérablement. On va maintenant parler de quelques années, quelques minutes, quelques secondes, quelques fractions de secondes. Alors nous allons maintenant aborder une nouvelle étape de cette remontée. Cette nouvelle étape, nous allons la situer par rapport à notre pyramide de la complexité, c'est l'étape où les protons et les neutrons se sont formés à partir des quarks. Donc nous regardons comment les quarks, en particulier deux d'entre eux, les quarks U et D, se sont combinés pour donner des protons et des neutrons. C'est un sujet qui est à l'étude en ce moment, et je dois vous dire qu'avec Jacques Richer, ici de l'Université de Montréal, nous avons travaillé il y a quelque temps sur ce problème. Beaucoup d'autres groupes dans le monde travaillent sur ce problème. Ça n'est pas terminé, c'est quelque chose qui est en train de se faire. En gros, on peut identifier en tout cas la période où cette transformation s'est passée. Qu'est-ce que je veux dire par cette transformation? Eh bien, on peut montrer que quand l'univers était à au moins une température de 1 trillion de degrés, 1 million de millions de degrés ou plus, l'univers n'était pas composé de neutrons et de protons et de noyaux, mais était composé d'une sorte de soupe de quarks.
Il y avait ces quarks qui nageaient dans cette soupe primitive, et il y avait aussi une autre particule que nous appelons le gluon. Le gluon, c'est une particule qui est un peu l'analogue du photon par rapport à la force électromagnétique. De même que les charges électriques s'attirent et se repoussent en échangeant des photons de la lumière, de même les quarks s'attirent et se repoussent en échangeant des gluons. C'est également une particule qui n'a pas de masse, qui est tout à fait analogue, mais des propriétés légèrement différentes du photon. Et on imagine la période qui se trouve située donc au-dessus d'un trillion de degrés, que l'univers était une espèce de grande soupe de quarks et de gluons homogènes, indifférenciés. Et puis, au moment où la température baisse suffisamment et atteint ce trillion de degrés, les quarks se combinent pour donner d'une part des protons et des neutrons, mais aussi d'autres particules que les physiciens appellent les mésons, qui sont également des composés de quarks. Et ça, c'est une phase qui est donc à l'étude en ce moment, qui a laissé des traces dans l'univers, mais que nous ne savons pas encore très bien interpréter. Ces traces sont également reliées à l'abondance de l'hélium et du lithium, mais c'est quelque chose qui est en train de se faire. C'est de la physique en train de se faire. Donc, on ne va pas en parler beaucoup plus. Ça nous amènerait dans des terminologies très, très compliquées, dont le résultat, pour l'instant, les résultats ne sont pas très clairs. Et nous allons simplement poursuivre notre promenade en arrière et remonter encore plus loin, nous demander qu'est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on a des renseignements sur un passé encore plus lointain. On a maintenant atteint un trillion de degrés. Est-ce qu'on peut dire quelque chose, est-ce qu'on peut affirmer que l'univers a été, à un moment donné, à une température encore plus élevée? Eh bien, toujours la même réponse. Avez-vous des fossiles? Avez-vous des preuves à l'appui? Qu'est-ce que vous pouvez donner qui nous puisse nous amener à être convaincus que l'univers a vraiment atteint des températures extrêmement élevées? Il y a plein de fossiles, il va en venir encore beaucoup, et je vais vous dire tout de suite que certains, nous savons les interpréter, d'autres non. Et je vais vous en donner trois pour l'instant, que nous pouvons interpréter et dont l'interprétation va également se faire en termes de si on suppose que l'univers a été au moins à telle température, alors on peut trouver une explication pour l'existence de ces fossiles. Alors, quels sont ces fossiles? Eh bien, là aussi, on va faire appel à de la démographie. Les physiciens sont un peu comme les démographes. Ils aiment compter les habitants et faire des compilations. Vous avez vu comment on a pu compter le nombre d'hélium par rapport à l'hydrogène, le nombre de deutérium par rapport à l'hydrogène. Et cela nous a donné des renseignements sur cette phase de nucléosynthèse dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, nous allons faire un autre type de démographie. Nous allons compter le nombre de grains de lumière, le nombre de photons, par rapport au nombre d'atomes. Eh bien, on s'aperçoit que dans l'univers, il y a beaucoup plus de photons, de grains de lumière, que d'atomes. Le rapport entre les deux est d'environ 3 milliards. Il y a à peu près 3 milliards de photons pour chaque atome qui existe dans l'univers. Ces 3 milliards de photons sont surtout les photons du rayonnement fossile. En fait, en nombre de particules, ce rayonnement constitue la plus grande source de population photonique, donc de lumière, qui existe. Et quand un astrophysicien, quand on lui présente un chiffre, quand on lui dit, voilà, il y a 3 milliards de photons pour chaque atome, il se dit, pourquoi? Quelle raison? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est pas 25 ou 0,2? Eh bien, cette mesure, ce chiffre, va nous donner des renseignements. C'est un fossile. On va trouver que si on veut expliquer pourquoi c'est 3 milliards plutôt qu'autre chose, il faut encore remonter dans un passé encore plus lointain, encore plus chaud de l'univers. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a en fait trois fossiles différents qui concordent, qui s'accordent pour nous livrer ce message, le même message. Alors, ces trois fossiles, je vous ai donné le premier, c'est le nombre de photons par atome. Le second fossile est en rapport avec une quantité, avec une propriété de la matière assez mystérieuse. C'est qu'on sait aujourd'hui que la matière existe sous deux formes totalement différentes. Il y en a une qu'on appelle la matière, l'autre on l'appelle antimatière.
anti, j'aime pas beaucoup le terme, ça donne une connotation un peu négative. Je crois qu'il aurait mieux valu l'appeler la matière A et la matière B, ou la matière blanche et la matière noire, ou quelque chose comme ça, mais deux termes qui montrent bien la symétrie entre ces deux formes de matière. Quelle différence y a-t-il entre la matière et l'antimatière? Eh bien, ça se ressemble énormément. Il y a une différence de charge. Par exemple, dans l'antimatière, il y a des électrons comme dans la matière. Sauf que les électrons de l'antimatière sont positifs, alors que les électrons de la matière sont négatifs. Il y a des protons dans l'antimatière, qu'on va appeler des antiprotons. Ces antiprotons sont négatifs, alors que nos protons sont positifs. Il y a des antineutrons qui, eux, évidemment, sont neutres comme nos neutrons. Il y a donc simplement une espèce de symétrie. On peut mettre toutes les particules de la matière ici, électrons, neutrinos, quarks, toutes ces particules qu'on a vues tout à l'heure. Et toutes ces particules, quand on les met comme ça sur notre mur, on peut également, on pourrait faire un autre tableau dans lequel on mettrait anti-électrons, anti-neutrinos, anti-quarks, etc. Alors, pourquoi il y a deux types de matière comme ça dans la nature? Ça aussi, c'est une question qui se pose. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avec cette seconde sorte de matière, cette antimatière, on peut également fabriquer des atomes, on peut également fabriquer des molécules, on pourrait également fabriquer des voitures. On peut très bien imaginer une voiture d'antimatière, ça marcherait tout aussi bien qu'une voiture de matière. Sauf que le problème, c'est que la collision sur l'autoroute d'une voiture avec une anti-voiture serait infiniment plus désastreuse que la collision d'une voiture avec une autre voiture. Pourquoi? Eh bien, parce que quand la matière entre en collision, quand elle rencontre l'antimatière, les deux disparaissent immédiatement, se transforment en lumière, et cela dégage une quantité d'énergie qui est de l'ordre de 1000 fois supérieure à ce que donnent nos meilleures bombes par gramme de matière. Alors vous voyez que ce serait tout à fait catastrophique si vous rencontrez votre double, votre anti-double, ne lui donnez surtout pas la main, ce serait désastreux. Alors, donc il y a ces deux types de matière dans l'univers. L'antimatière, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas quelque chose d'inventé par les physiciens, si au départ ça a été cela. Mais maintenant, nous savons que ça existe, nous en fabriquons au laboratoire, nos accélérateurs fabriquent des faisceaux d'anti-électrons en très grand nombre, les accélérateurs maintenant en font, des faisceaux d'antiprotons, c'est quelque chose qui existe et qu'on peut produire d'une façon industrielle, ce serait exagéré, mais encore en nombre assez important. Donc, ces deux matières existent et ont des propriétés tout à fait parallèles, sauf qu'il ne faut pas les amener à se rencontrer. Alors, la question se pose, quand le physicien va au laboratoire, il trouve, par exemple, qu'il y a exacte symétrie entre matière et antimatière. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que chaque fois qu'un physicien, dans un accélérateur, fait une particule de matière, il fait obligatoirement, en même temps, une particule d'antimatière. Il y a symétrie totale entre les deux. Pourtant, dans l'univers, on sait bien que ce n'est pas le cas. Y a-t-il de l'antimatière dans l'univers? S'il y en a, il y en a très peu, extrêmement peu. Nous en savons qu'il y en existe un peu dans le rayonnement cosmique, mais nous avons toutes les preuves du fait que notre système solaire, notre galaxie et même les galaxies voisines sont faites non pas d'antimatière, mais de matière. Alors vous voyez, il y a un problème qui se pose là. Si les deux matières existent, ont des propriétés parallèles, comment se fait-il que dans notre univers, il y a un tel biais pour la matière au lieu de l'antimatière? Comment se fait-il qu'on ait cet univers fait de matière et qu'on trouve si peu d'antimatière? Ce qui est heureux d'ailleurs, parce que ça produirait des quantités de problèmes. Alors voilà donc la seconde question qui va se poser. La première question, pourquoi y a-t-il 3 milliards environ de grains de lumière par particule? Et la deuxième question, par atome, et la deuxième question, c'est pourquoi n'y a-t-il pas d'antimatière dans notre univers? Voilà deux questions qui se posent. Et à cela, on va en ajouter une troisième. Et c'est à ces trois questions en même temps que va répondre notre prochain fossile. L'autre question qui est tout à fait fascinante, c'est pourquoi la charge de l'électron, l'électron est chargé, comme vous savez, l'électron de la matière, mais c'est aussi la même chose pour l'antimatière, pourquoi la charge de l'électron est-elle très exactement la même que la charge du proton? Bien sûr, les signes sont différents, mais quand on a tenu compte de la différence des signes, la valeur numérique, comme on dit,
de la charge de l'électron est très exactement la même que la charge du proton. Rappelez-vous que les protons sont composés de 3 quarks, ce qui veut dire que la charge de l'électron, elle est exactement 3 fois la charge du quark. Alors quand je dis exactement, c'est vraiment exactement. C'est vraiment exactement, on a essayé de mesurer s'il n'y aurait pas une petite différence, et on peut montrer que dans une partie, dans un trillion et même plus, les deux charges sont égales, avec un très grand nombre de chiffres significatifs. Alors ça, c'est toujours un message dans la nature aussi. Quand deux choses qui ont l'air différentes ont exactement la même charge. Pourquoi ont-elles l'air différentes? Eh bien, parce qu'un électron, c'est quelque chose qui réagit à la force électromagnétique, mais qui ne réagit pas du tout à la force nucléaire. Il ignore complètement la force nucléaire. Par contre, les quarks, eux, réagissent à la fois à la force électromagnétique, ils ont une charge, un tiers de celle de l'électron, mais ils réagissent aussi, ils sont sensibles également à la force nucléaire. Donc voilà deux corps qui, a priori, ne se ressemblent pas, et qui pourtant s'arrangent pour avoir exactement, mais exactement, exactement la même charge. Alors voilà donc la troisième question qui se pose, troisième fossile, si vous voulez, et on va dire ceci, si on veut comprendre pourquoi il y a 3 milliards de photons par atome, pourquoi il n'y a pas d'antimatière dans notre univers, pourquoi il y a ce biais par rapport à la matière, et pourquoi l'électron et le proton ont très exactement la même charge, eh bien voilà, ces trois fossiles, on va y répondre en faisant appel à des phénomènes qui se sont passés à des températures maintenant beaucoup plus élevées. Nous allons atteindre des températures d'environ 10 puissance 28 degrés, c'est-à-dire 1 avec 28 zéro degrés. Ici, cependant, je me crois obligé de mentionner qu'il faut être prudent. Nous entrons dans une physique qui est passablement incertaine. Les études que nous venons de faire jusqu'ici, les études du rayonnement fossile, les études de la formation des éléments légers, font intervenir une physique qui est tout à fait bien connue. C'est une physique de basse énergie, quelques électronvolts, quelques millions d'électronvolts, ou plus quelques centaines de millions d'électronvolts. Nous avons des accélérateurs aujourd'hui qui atteignent des énergies de l'ordre du trillion d'électronvolts, de sorte que les résultats que j'ai utilisés pour interpréter les fossiles sont des résultats bien établis, non seulement d'une façon théorique, mais aussi d'une façon observationnelle. Tout ça colle très bien. On était dans un domaine où on se sentait en sécurité, on pouvait marcher solidement sur un sol bien établi. Là, nous allons aborder des domaines d'énergie qui sont bien au-delà des plus puissants accélérateurs que nous avons aujourd'hui. J'ai mentionné que nos plus puissants accélérateurs atteignent de l'ordre du trillion d'électronvolts. Là, maintenant, nous allons passer à plusieurs ordres de grandeur. Nous allons aller jusqu'à 10 puissance 24 électronvolts. Donc, c'est bien au-delà de ce que nous pouvons observer, sur lequel nous pouvons expérimenter. Et bien qu'il y ait d'année en année des accélérateurs plus puissants qui entrent en opération, le prochain accélérateur américain va atteindre 40 trillions d'électronvolts, on est encore très loin du compte. Ça ne veut pas dire que ce soit purement spéculatif, parce qu'il y a quand même des moyens indirects d'obtenir des renseignements sur la physique de plus haute énergie, mais il faut faire très attention et savoir que tout ça pourra changer, pourra être réinterprété à mesure des progrès de la physique. Donc, caution, prudence pour ce dont nous allons parler maintenant. Alors, je vous ai mentionné que nous avions un nouveau fossile en préparation. C'est la réponse aux trois questions que j'ai posées tout à l'heure. Que l'interprétation de la réponse à ces questions va nous amener à des températures très élevées. Et toujours, on dira, c'est notre démarche traditionnelle, si on fait l'hypothèse que l'univers a été jusqu'à des températures de temps, et maintenant on va parler de 10 puissance 28 degrés, alors on peut expliquer pourquoi, etc., etc. Eh bien, avant de vous présenter ce sujet, il me faut revenir sur un sujet qui est peut-être moins familier et qui va jouer un rôle fondamental dans l'interprétation de ces données. Ce sujet, c'est ce qu'on peut appeler l'unification des forces. L'unification des forces, c'est un rêve pour les physiciens. Les physiciens adorent unifier des choses
adore montrer que des choses qui sont en apparence très différentes, dans la réalité, cette différence n'est qu'apparente et que fondamentalement, c'est la même chose. Et l'histoire de la physique est faite en gros de chapitres d'unification de forces. Le chapitre le plus connu se passe au 19e siècle. Au 19e siècle, on connaît par exemple le magnétisme, la force magnétique, qui est connue depuis longtemps. On l'utilise pour faire les boussoles, on connaît l'orientation des aiguilles dans le champ magnétique de la Terre et on appelle ça la force magnétique. On connaît aussi depuis longtemps l'électricité. On sait très bien que quand on frotte une barre d'ambre, on peut soulever des petits papiers et on sait qu'il existe telle chose que la force électrique. Ce qu'on va montrer au 19e siècle, c'est qu'en fait, la force magnétique ou les manifestations de la force magnétique et les manifestations de la force électrique, qui semblent bien différentes, sont des manifestations dans des conditions différentes, dans des contextes différents d'une seule et même force qu'on va appeler la force électromagnétique. Cette force électromagnétique qui régit la chimie, qui régit l'émission de la lumière, qui régit la physiologie de notre corps, a été découverte, les équations ont été formulées au 19e siècle, en particulier par Maxwell. Et cette force électromagnétique est un triomphe d'unification, puisque à partir du même nombre d'équations, on peut prévoir à la fois le comportement des boussoles et le comportement des bouts de papier électrisés, et puis bien sûr, bien d'autres comportements. Voilà donc un exemple d'unification qui est un grand succès de la physique. Vers la même période, on a aussi un autre type d'unification, c'est la thermodynamique. La thermodynamique, c'est vraiment l'unification de deux réalités qui semblent différentes. Le travail, c'est-à-dire le déplacement de masse importante dans des mouvements simples, et la chaleur, c'est-à-dire le déplacement multiplié d'un très grand nombre de particules. Et la thermodynamique, c'est précisément la jonction entre les deux, montrer qu'il y a une science du travail et de la chaleur et qu'on peut expliquer les manifestations de l'un et de l'autre en termes d'un seul formalisme, celui-là dans lequel interviennent des gens comme Carnot, comme Boltzmann, comme Gibbs et bien d'autres. Donc voilà deux chapitres d'unification des forces de la physique et les physiciens rêvent qu'ils puissent un jour expliquer toutes les forces, les quatre forces de la physique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous en avons quatre. Il y a la force de gravité, la force nucléaire, la force électromagnétique et une quatrième qui s'appelle la force faible ou la force de Fermi, qui, elle, intervient dans les interactions des neutrinos en particulier. Et les physiciens, donc, rêvent de montrer que, en analogie avec l'électromagnétisme, ces forces sont en fait des manifestations différentes d'une seule et même force. Alors, il y a eu un chapitre important qui a été réalisé vers les années 1972, quand des physiciens, en particulier Weinberg, Salam et autres, ont montré que la force électromagnétique et la force faible étaient unifiées. Pas tout à fait unifié, c'est pas tout à fait vrai. Il y a encore des éléments différents, mais en fait, elles sont intimement reliées dans un formalisme qui les implique à différents niveaux. Donc, c'est un progrès dans le sens de l'unification. 1972, Weinberg et Salam montrent que ces deux forces sont reliées, et cela est confirmé vers 1980, quand on découvre les particules qui transportent la force électromagnétique faible, électrofaible, on dit aujourd'hui. Ce sont des particules massives qui sont l'analogue des photons, des gluons, des gravitons pour les autres forces, mais qui sont là, dans ce cas-là, beaucoup plus massives. Alors évidemment, il y a ce rêve toujours de dire, d'accord, on en a réussi 2 sur 4, est-ce qu'on peut aller plus loin? Eh bien, on peut aller plus loin à condition d'utiliser certains résultats, et on a fait, évidemment, on n'a pas manqué de faire de telles hypothèses. C'est aujourd'hui un sujet d'étude de l'astrophysique, de la physique, qui est relativement spéculatif, bien sûr, parce qu'on n'a pas de véritable théorie d'unification, et je voudrais vous montrer comment cela se passe. Mais avant, nous allons revenir à notre tableau ici, et je vous répète donc que nous remontons vers les hautes températures.
Je ne vous ai pas mentionné que la transition entre cet univers de quark-gluon et l'univers de protons et de neutrons se passait environ une centaine de secondes avant la formation des éléments légers. Et maintenant, nous allons remonter beaucoup plus haut dans le passé, suivre ce diagramme. Alors voilà un diagramme qui va essayer d'expliquer comment se passe cette unification des forces. Ce diagramme se lit comme ceci. Ça, c'est le temps. Alors ça, c'est aujourd'hui, enfin par là. Et nous remontons vers des temps extrêmement courts, des temps qui s'approchent de ce fameux temps zéro dont je vous dirai tout à l'heure ce qu'il faut penser. C'est une horloge conventionnelle, disons. Ici, par exemple, nous sommes à 10 milliards d'années, 100 000 ans, 1 seconde, 10 puissance moins 10 secondes, 10 puissance moins 36, 10 puissance moins 44. Vous voyez que les temps deviennent très, très courts. Et chacune de ces lignes ici, vous voyez qu'il y en a 4 ici, représente l'intensité de chacune de ces forces. En bas, il y a l'interaction forte ou l'interaction nucléaire. Ensuite, voilà l'interaction électromagnétique. Ici, la force va dans ce sens-là. Plus on monte, plus ça faiblit. Ici, il y a l'interaction faible ou interaction de Fermi. Et ici, l'interaction de gravitation. Et vous voyez que, alors qu'aujourd'hui, elles ont des intensités, des puissances, elles sont des forces, pourrait-on dire, différentes, si vous suivez, par exemple, ces deux-ci, vous voyez que si on remonte à des températures, si on atteint des températures relativement élevées, qui sont de l'ordre de 100 milliards d'électronvolts, eh bien, on prévoit, et c'est ce qui a été le succès de la théorie de Weinberg-Salam, que les deux forces deviennent à partir de là une seule force, la force électrofaible. Alors, cette transformation à l'échelle de l'univers s'est produite, bien sûr, quand l'univers a atteint la température correspondante de 100 milliards d'électronvolts, c'est-à-dire 100 000 millions d'électronvolts, 10 puissance 11 électronvolts. Et cela, à cette échelle, se passe à un moment où l'univers a un âge d'environ 10 puissance moins 10 secondes. Alors, ce que nous allons maintenant essayer de négocier, ce que les physiciens essaient de négocier, c'est de se dire que ces trois forces, maintenant, se rencontrent ici. Et c'est là que se passe l'action pour nous. Pourquoi? Parce que dans ce cadre théorique qui n'est pas tout à fait bien établi et qui est même mis en contestation, mais qui vraisemblablement tient le coup, du moins d'une façon qualitative, il se passe ici un grand événement. C'est la rencontre de ces deux forces avec l'interaction forte. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, quand on remonte dans le passé, la force faible, électromagnétique et nucléaire sont la même force. Donc ici, grande unification, on a appelé ça grande unification, et bien sûr, quand l'univers, lui, ne procède pas comme ceci, mais comme ceci, le temps réel se déplace comme ceci, quand l'univers atteint ce point, il entre dans ce qu'on appelle la phase de grande désunification, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est le moment où cette force quitte les autres, et puis un peu plus tard, celle-là va quitter les autres. On reviendra sur la force de gravité plus tard. Eh bien, c'est à cette période, autour de cette période, que l'on situe les événements qui seraient responsables de nos trois fossiles. En d'autres mots, on peut montrer, mais attention, on est dans une physique qui est relativement mal connue, mais ça semble marcher assez bien. Je profite du fait pour mentionner que c'est Sakharov, le physicien soviétique, qui a été au départ à la base de cette hypothèse. On peut montrer que, par exemple, avant cette période, l'univers contenait autant de matière que d'antimatière. Donc, cette symétrie qui est manquante aujourd'hui, puisqu'on se dit pourquoi il y a tellement plus de matière que d'antimatière? Eh bien, apparemment, avant cette période, il y avait autant de matière que d'antimatière. Avant cette période, il y avait également un événement très important, c'est que les quarks pouvaient se transformer en électrons. Aujourd'hui, les quarks ne peuvent plus se transformer en électrons, ne peuvent plus se transformer en neutrinos. À cette période, ils pouvaient se transformer en électrons, ce qui, évidemment, nous explique pourquoi ils ont des charges tout à fait compatibles.
Parce que si un quark, ou plutôt trois quarks, parce qu'il faut la conservation de la charge, peut se transformer en électron, eh bien on voit très bien comment les charges doivent être exactement les mêmes, puisque c'est la transformation d'une particule en une autre particule. Donc on peut dire s'ils ont la même charge, évidemment, parce qu'ils se transforment les uns en les autres. Et troisièmement, à cette période, se produit un tout petit supplément de matière par rapport à l'antimatière, pour des raisons que je ne peux pas vous présenter ici. Et pendant très longtemps, pendant toute cette période, il y a pratiquement la même quantité de matière que d'antimatière. Mais quelque part ici, l'univers est suffisamment refroidi, matière et antimatière se rencontrent, rappelez-vous, c'est cela qui se passe, quand matière et antimatière se rencontrent, la matière et l'antimatière se transforment en lumière, et qui est-ce qui reste? Eh bien, il reste ce célibataire qui est né ici au moment où il y a eu ces transformations qui ont créé un petit supplément d'environ 1 pour 1 milliard de matière par rapport à l'antimatière. Alors, cela explique donc pourquoi il n'y a plus à partir d'ici, on dit qu'ici, où il y a autant de matière que d'antimatière, pourquoi la charge de l'électron et la charge du quark sont compatibles avec un facteur 3, mais très exactement. Et à partir d'ici, la transformation de matière et antimatière en lumière et le fait qu'il y a un petit résidu, un petit célibataire qui reste seul parce qu'il n'a pas, il ne rencontre pas de compagnon avec qui s'annihiler, tout cela explique à la fois ces trois propriétés, donne les réponses à ces trois questions, les trois questions étant pourquoi il n'y a plus d'antimatière, pourquoi il y a 3 milliards de photons pour chaque atome, pourquoi la charge de l'électron et la charge du proton sont très exactement les mêmes. Alors, donc, en reprenant dans notre mode favori, on dit ceci. Le fait qu'il y ait aujourd'hui 3 milliards de photons pour chaque atome, le fait qu'il n'y ait plus d'antimatière, le fait que la charge de l'électron et celle du proton soient très exactement la même, tout cela, on peut y trouver une réponse si on dit ceci. Si l'univers a été à un moment donné à une température égale ou supérieure à 10 puissance 28 degrés, alors à ces températures, l'univers était grand unifié, en tout cas pour ces trois forces. Les trois forces étaient une seule force et les particules électrons, neutrinos et quarks étaient une seule particule qui pouvait changer de nature, qui pouvait changer d'état, passer à des états différents. Et quand est arrivée cette période, il y a eu cette désunification. Cette désunification a amené les phénomènes que nous observons aujourd'hui, transformation d'un certain nombre d'atomes de quarks et d'antiquarks en photons, et d'antiélectrons électrons en photons, disparition évidemment de l'antimatière un peu plus tard, parce que toute l'antimatière qui a pu rencontrer des partenaires de matière a pu s'annihiler et se transformer en lumière, ce qui a eu pour résultat de donner 3 milliards de photons pour chaque atome, et en même temps, on comprend pourquoi la charge de l'électron et la charge du proton sont très exactement les mêmes. Ils viennent de particules qui, au départ, pouvaient se transformer les unes dans les autres. Nos fossiles, ou plus exactement leur interprétation, nous amène à remonter le cours du temps dans l'univers et, bien sûr, à remonter l'échelle des températures. Et nous avons donc, à différents moments, quand nous allons dans ce sens, une unification des forces. Ici, la force faible et la force électromagnétique se combinent pour donner la force électrofaible. Ici, nous avons vu comment ces deux forces combinées se combine à la force nucléaire pour donner une autre force, une force unifiée, une version unifiée de ces trois forces. À chaque moment d'unification ou, dans le sens réel du cours du temps, de désunification, il se produit un phénomène très important, un phénomène qui va avoir une influence non seulement sur les particules, mais sur l'univers dans son ensemble. Ce phénomène, c'est quelque chose qui s'appelle de la surfusion et de l'inflation. On parle beaucoup de modèle inflationnaire de l'univers. Je vais aussi essayer de vous dire un peu comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est que la surfusion? Eh bien, vous savez tous que quand on refroidit de l'eau pour l'amener en glace, en théorie, quand on arrive
à la température 0 degré centigrade ou Celsius, l'eau se transforme en glace. En dessous de zéro, c'est la glace qui est l'état normal de l'eau, et au-dessus, c'est l'eau liquide. Cependant, dans la réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Si on refroidit de l'eau très rapidement, elle peut très bien rester liquide bien en deçà du point de fusion, et on peut descendre à moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 degrés, et l'eau reste liquide. À ce moment, on dit qu'elle est en surfusion. Elle devrait être solide, mais elle est encore liquide. Pourquoi? En gros, parce qu'elle n'a pas eu le temps de se refroidir. Si, à ce moment-là, vous jetez une poignée de sable dans l'eau, elle va geler très rapidement et cela va reproduire un réchauffement de l'eau. Pourquoi? Parce que toute la chaleur qui est émise au moment où l'eau passe en glace va être émise brutalement et ça va faire un réchauffement de l'eau qui va revenir à peu près à la température de fusion. Cela s'appelle donc la surfusion et cela se passe dans certaines conditions quand on refroidit trop rapidement une substance et qu'elle doit passer à une autre phase et qu'elle n'a pas le temps d'y passer comme il faut, elle le fait avec un retard. Ces phénomènes de surfusion, de réchauffement, existent aussi à l'échelle de l'univers chaque fois que nous avons une désunification. Quand l'univers ici, avec cette force unifiée, rencontre ce point où les deux forces se désunifient, il y a également une possibilité de surfusion. C'est-à-dire que si le refroidissement est très rapide, et dans le cas de l'univers, à cette période, il est extrêmement rapide, l'univers va continuer sur cette force unifiée jusqu'à des températures qui sont bien inférieures à la température théorique de surfusion. Et là, pendant toute cette période, il va se produire un phénomène qu'on appelle l'inflation. L'univers va se mettre à grossir, à grandir à une vitesse accélérée jusqu'au moment où la surfusion va se détendre, c'est-à-dire qu'on va repasser à ce point ici avec dégagement de chaleur et l'univers va se réchauffer, va revenir à ce point-ci. Alors ces phénomènes jouent un rôle très important dans l'univers. Ils se produisent donc à chaque fois qu'il y a ces désunifications. Il y en a certainement une qui se produit ici, une qui se produit là, peut-être encore une plus tard qui se produit quand les quarks se combinent pour donner des protons et des neutrons. Et ces phénomènes vont avoir pour effet que quand on va regarder maintenant cette courbe de température en fonction du temps de l'univers, alors que quand on a regardé des températures relativement faibles, par relativement faibles, je veux dire quelques milliards de degrés ou quelques dizaines de milliards de degrés, le comportement était très régulier, une baisse lente de la température en fonction du temps. Quand on va arriver au temps plus court, à des températures très élevées, on n'aura plus du tout cette forme régulière. L'univers ne va pas se comporter sagement dans un refroidissement régulier. Il va y avoir des chaos, des sautes d'humeur, des hauts et des bas. Et si on traçait, par exemple, ce qui se passe au moment d'une de ces transitions, on appelle ça transition de phase, le moment où une désunification se produit, on aurait, par exemple, la courbe ici, qui la température descendrait très bas pendant toute la période de surfusion. Puis au moment où la surfusion se termine, donc l'analogue du moment où la glace prend dans l'eau qui est déjà bien inférieure, à une température bien inférieure à 0 degré, ça remonte brutalement vers ici. Donc, aux basses températures, nous aurions des bosses comme ceci, une à la grande désunification, une à la désunification qui est reliée à la séparation de la force faible et de la force électromagnétique, vraisemblablement une autre au moment où les quarks se combinent pour donner des protons et des neutrons. Donc, un comportement beaucoup plus compliqué que celui que nous avons ici à cette période. Alors, ce qui va se passer, ces périodes d'inflation vont avoir un effet très important sur l'ensemble de l'univers. C'est comme si les particules se mettaient au lieu, les particules de l'espace qui, à ce moment-là, se séparaient relativement lentement, se mettent à accélérer, à aller très, très vite pendant un certain temps. Et c'est ce qu'on va appeler l'inflation. Et cela va être important parce qu'on va essayer, un peu plus tard, d'interpréter certains problèmes qui se posent à nous dans l'étude de la cosmologie. Et on a beaucoup fait appel à ces périodes d'inflation pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour trouver une solution à ces problèmes dont je vais parler tout à l'heure. Je n'y vais pas en parler tout de suite. Je voudrais maintenant continuer encore notre route.
nous avons dit donc que ces fossiles de absence d'antimatière, pourquoi 3 milliards de photons par atome et pourquoi la charge du proton et la charge de l'électron sont très exactement les mêmes, peuvent nous amener jusqu'à une température d'environ 10 puissance 28 degrés. Mais si nous voulons aller plus loin, si nous voulons remonter encore plus loin dans le temps et dans la température, nous rencontrons des conditions extrêmement difficiles. En gros, nous arrivons dans une région où notre physique ne marche plus, et c'est ce que nous allons appeler la limite de notre connaissance aujourd'hui. C'est ce que nous allons appeler notre terra ignota. Nous allons maintenant aborder cette fameuse question du début de l'univers, de la création de l'univers. En d'autres mots, est-ce que l'astrophysique aujourd'hui peut nous dire qu'il y a un début, qu'il y a une création? Est-ce qu'elle nous permet de légitimer ce discours qu'on trouve dans nombre de mythologies? Est-ce que réellement nous avons les éléments, la possibilité de dire il y a, oui, eu en effet un début de l'univers? Je sais que plusieurs personnes l'ont fait. Je vais vous montrer pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette possibilité et pourquoi, encore une fois, il faut être très prudent et voir ce que la science dit et ne dit pas sur le passé de l'univers. Elle nous a dit beaucoup de choses, elle nous a permis de remonter dans le temps très loin, mais elle, je crois qu'elle ne peut pas parler d'un début de l'univers, elle ne peut pas dire « j'ai découvert le début ». La création, le Big Bang au sens où il s'agirait d'une création. Eh bien, pour cela, nous allons revenir sur notre diagramme, qui est maintenant notre guide quand nous voulons remonter le temps et la température. Et nous allons regarder ce qui va se passer dans la région qui est encore plus chaude que celle où s'est passée la grande unification. On a ici, dans ce diagramme, mis que la force de gravité pouvait être unifiée dans cette région. En fait, c'est un rêve. C'est un rêve, ça n'est pas du tout fait et n'est pas du tout certain que cela soit possible et que cela soit dans les possibilités de la physique contemporaine. Pourquoi? Parce que quand nous arrivons à des températures comme celle-là, qui sont des températures de l'ordre de 10 puissance 32 degrés, 1 avec 32 zéros, alors toute notre physique s'effondre. Toutes nos connaissances de la physique ne sont plus applicables. Nous savons très bien que nous ne savons absolument pas comment fonctionne la matière lorsqu'elle est soumise à de telles températures. Il y a des conflits majeurs entre la relativité générale d'Einstein qui dit quelque chose et la physique quantique qui dit le contraire. Et quand deux théories comme celle-là s'affrontent et se contredisent, on dit simplement nous avons dépassé le domaine d'applicabilité de ces théories. Il faudrait faire une nouvelle théorie qui puisse rendre compte du comportement de la matière à ces très hautes températures. C'est un effort qui se fait depuis longtemps chez les physiciens. Et il y a eu plusieurs avenues, plusieurs façons d'en parler, plusieurs démarches. La plus populaire s'appelle la théorie des supercordes. Vous avez probablement tous entendu parler de cela. On ne considère plus les particules comme des points, mais comme des cordes vibrantes. Il y a une autre théorie aussi qui est celle qui a été présentée par Hawking dans son livre « Une brève histoire du temps », qui est une autre démarche. Ce qui semble clair, c'est qu'aujourd'hui, aucune de ces démarches ne semble aller vers quelque chose de prometteur. D'année en année, on se rend compte qu'il y a énormément de difficultés. Les difficultés naissent du fait que même les notions les plus fondamentales de la physique, comme la notion d'espace, la notion de temps, ne marchent plus. On ne peut plus utiliser ces notions qui semblaient bien être des notions a priori, comme le disait Kant. Eh bien, ce ne sont pas des notions a priori, ce sont des notions qui marchent quand l'univers n'est pas trop chaud, mais quand il est chaud, ça ne marche plus. Alors, quelle notion, que fait un physicien quand on lui dit qu'il ne peut pas utiliser la notion de temps et d'espace, quand on lui dit que le temps, au lieu d'aller toujours dans le même sens, comme c'est le cas chez nous, se met à fluctuer et qu'à un moment donné, il va dans un sens et à un moment donné dans l'autre sens, il est complètement perdu, bien sûr, il ne sait pas quoi faire. Et nous rencontrons ici, à ce niveau, ce qu'on peut appeler le mur de l'ignorance. Le mur de l'ignorance, la limite de la connaissance, donc la frontière de la terra incognita, se trouve en ce moment ici.
Bien sûr, ça n'est pas une situation définitive, rien n'est jamais définitif en physique, il y a des progrès d'année en année, on peut aller plus loin. Nous sommes bloqués ici parce que nous n'avons pas de théorie pour décrire le comportement de la matière à de telles températures. Alors, c'est donc la limite de notre connaissance, c'est là jusqu'où notre regard aidé de la théorie peut aller, c'est notre horizon. Mais évidemment, cet horizon ne légitime pas l'affirmation que puisque nous ne pouvons pas aller au-delà, il n'y avait rien. Et voilà bien ce qu'il y a dans l'idée de la création ou dans l'idée d'un début. Quand on dit c'est le début de l'univers, c'est parce qu'on se sent prêt à affirmer qu'au-delà de cela, il n'y avait rien, ni temps ni espace. Et cette échelle qui est employée ici et qui est conventionnelle utilise comme temps zéro ce moment où, à partir duquel nous ne comprenons plus rien. Alors vous voyez, c'est conventionnel, ça peut être commode, mais ça ne répond pas à une réalité profonde. En fait, il y a déjà des modèles de physique, d'astrophysique, qui disent qu'en fait, il y avait bien d'autres choses auparavant, que ça, c'est dans notre région de l'univers, mais qu'ailleurs, il y avait auparavant des quantités de choses. Donc au lieu de parler d'un début de l'univers, d'une création, nous allons dire, conventionnellement, les gens mettent le temps zéro ici, au moment où on ne comprend plus rien, et que le temps, l'échelle qui se passe comme ceci, c'est une échelle qui est reliée à cet horizon à partir duquel nous ne pouvons plus rien comprendre. Je crois que c'est important de faire cette distinction, de ne pas penser que parce qu'à un moment donné, on ne sait pas aller plus loin, on peut affirmer qu'avant cela, il n'y avait rien. Donc l'astrophysique ne peut pas, de façon légitime, dire « j'ai découvert le début de l'univers ou la création », elle peut tout juste dire « j'ai découvert jusqu'où je peux aller aujourd'hui ». Et je ne peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas encore ni la théorie ni les observations pour aller plus loin, et peut-être que dans quelques années, on pourra aller beaucoup plus loin. Il y a 20 ans, évidemment, on n'allait pas aussi loin qu'aujourd'hui. L'astrophysique, la science, c'est un processus en évolution, il y a des progrès continuellement, nous ne pouvons que dire ce que nous voyons aujourd'hui en 1990. La théorie du Big Bang et les fossiles que nous avons détectés et interprétés nous ont permis de remonter très loin dans le passé et avec un succès assez considérable, on a pu rendre compte d'un certain nombre de questions qui se posaient. La théorie du Big Bang a quelques problèmes aussi. Je voudrais vous en parler. Ce ne sont pas de vrais problèmes dans le sens où, par exemple, quelque chose de prédit serait en désaccord avec quelque chose d'observé. Ça, ce sont les vrais problèmes de la physique. À ce moment-là, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la théorie. C'est plutôt d'un autre ordre. Et je voudrais vous le décrire à partir de cette photo, cette image qu'on a vue auparavant, qui nous donnait à voir ce rayonnement fossile dès comme nous le voyons. Alors ici, il y a toujours l'œil de l'observateur, c'est nous, et il y a ici ce rayonnement fossile qui nous arrive de partout. Et on a donc mesuré la température de ce rayonnement fossile par la distribution des fréquences, des longueurs d'onde, mais aussi on a cherché à voir s'il n'y avait pas des variations de température. Et c'est là que le problème s'est posé, c'est que ce rayonnement, dont la température est de l'ordre de 2,7 degrés, est isotrope. Ça veut dire qu'il est le même quand vous regardez en haut, en bas, à gauche, à droite, quand vous regardez entre deux directions très rapprochées, deux directions très éloignées, il est le même avec une précision extraordinaire. On n'a pas observé de variation de température entre deux points, deux directions, qui serait supérieure à une partie dans 100 000. Alors pourquoi c'est un problème que ce rayonnement soit tout aussi isotrope? Eh bien, c'est en relation avec ce que nous appelons la causalité dans le cadre de la théorie d'Einstein. Je peux vous dire un peu de mots de quoi il s'agit. Vous savez que la lumière voyage à une certaine vitesse, 300 000 km par seconde, pas plus, et que donc les renseignements, les informations qui se propagent dans l'espace ne peuvent pas se propager à une vitesse plus grande que cela. Par exemple, si vous voulez envoyer un message à une sonde qui se trouve près de Jupiter ou de Saturne, eh bien, vous savez que cette sonde ne recevra ce message qu'une heure ou deux heures plus tard et que vous recevrez la nouvelle qu'elle l'a bien reçue qu'encore le double du temps. Donc, l'information, les renseignements
voyage à une certaine vitesse, et cette vitesse, bien que très rapide, à l'échelle de l'univers, n'est pas très grande. Elle est même plutôt lente. 300 000 km par seconde, c'est plutôt lent à l'échelle de l'univers. Alors la question se pose de la façon suivante. Le point, les atomes qui ont émis le rayonnement fossile ici avaient donc très exactement la même température que les atomes qui ont émis le rayonnement fossile ici. C'est bien ce que montre la grande précision de la température à une partie dans 100 000. Question, comment se fait-il que ces atomes avaient exactement la même température? Alors, pourquoi c'est un problème que tous les atomes aient eu exactement la même température? Parce que ces atomes avaient à cette période, l'univers à cette période, avait dans cette chronologie conventionnelle, de l'ordre d'un million d'années. En un million d'années, les messages émis par qui que ce soit, atome ou autre, ne peuvent pas franchir plus qu'un million d'années-lumière. Ce qu'on va appeler la sphère de causalité de ces atomes, c'est le volume dans lequel ils peuvent avoir eu une influence. Et c'est une sphère dont la dimension est de l'ordre d'un million d'années-lumière. Or, à cette échelle, la sphère de causalité de ces atomes est toute petite par rapport à ceci. Ces atomes-ci n'avaient eu aucun moyen d'entrer en contact avec des atomes qui auraient été là, là ou là. Et donc, comment se fait-il que la température ait été la même partout, puisque ces atomes ne pouvaient pas avoir eu de contact, avoir échangé, s'être thermalisés avec les autres? Alors, vous pouvez dire que ce n'est pas un vrai problème, bien sûr, parce que c'est comme ça, la température de tout l'univers était la même, c'est une donnée initiale. Les physiciens n'aiment pas beaucoup cette idée. Ils aiment bien essayer de relier les choses aux autres et donner un contexte dans lequel ils puissent donner une explication. Donc, premier problème, pourquoi cet univers est-il aussi isotrope? Pourquoi le rayonnement fossile a-t-il cette très grande isotropie? Mais il y a d'autres problèmes aussi. Le second problème, c'est le suivant. Rappelez-vous que nous avons parlé de la courbure de l'espace-temps. La courbure de l'espace-temps de notre univers a à peu près cette forme-ci, la forme de celle de cheval ou de col. Eh bien, question, en fait, cette courbure de l'univers aujourd'hui est extrêmement faible. Notre univers est pratiquement plan. Là, on a beaucoup exagéré. C'est une courbure très, très, très faible. Et on peut montrer que dans le passé, cette courbure était encore plus faible. Et on arrive, aux temps anciens, à un univers qui est d'une planitude, qui obéit aux lois d'Euclide, les deux parallèles ne se rencontrent pas, avec une précision fantastique. Et là aussi, la question se pose, comment se fait-il que cet univers ait eu exactement cette géométrie plutôt que d'autres géométries? Pourquoi a-t-il choisi celle-là? Alors, on peut dire comme réponse, là aussi, ben, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Et naturellement, pour l'astrophysicien, ça n'est pas très satisfaisant. Il voudrait bien avoir une réponse à ces deux questions. Il y en a d'autres, mais ce sont les deux questions les plus importantes. Et il se trouve qu'on peut répondre à cette question en termes précisément de ces périodes d'inflation dont j'ai parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous gonflez un ballon? Une inflation, c'est un peu l'équivalent d'une région de l'espace qui se gonfle démesurément. Et bien, on voit bien que même si ce ballon était relativement petit, si sa courbure était relativement forte, si vous le gonflez énormément, il devient pratiquement plan. Il devient pratiquement semblable à un plan, donc il va retrouver une planitude très grande, il va échapper à cette courbure importante. De la même façon, si cet univers, si cette sphère de causalité, justement, à cause de l'inflation, s'est gonflée démesurément, alors on ne peut plus dire que les atomes n'avaient qu'une toute petite sphère de causalité qui ne leur permettait pas de savoir quelle était la température des atomes qui étaient situés dans l'autre partie. On va dire non, la sphère de causalité, au moment de l'inflation, grossit démesurément. Et c'est l'inflation qui est responsable de l'isotropie du rayonnement thermique qui a thermalisé l'univers, qui est responsable de sa planitude. C'est donc une hypothèse qui est très populaire, qui a été très discutée, et qui est très présente, ces modèles d'inflation. On fait appel à la désunification des forces pour expliquer des choses aussi différentes que la planitude de l'univers. Et évidemment, c'est très sympathique de pouvoir relier de l'infiniment petit, la désunification des forces, à de l'infiniment, à du beaucoup plus grand, pourquoi l'univers est si plan. En fait, ça ne marche pas aussi bien que cela. Il y a beaucoup de problèmes d'un autre ordre, en particulier ces modèles d'inflation supposent que l'univers a la densité critique,
qu'il a exactement la densité dont j'ai parlé, 10 atomes par mètre cube. Or, on ne trouve pas cela quand on observe. Et c'est une des raisons pour laquelle les théoriciens aiment bien cette idée, ce fait qu'on puisse expliquer des quantités de choses. Mais en pratique, eh bien, les problèmes sont tels qu'aujourd'hui, après une longue période de popularité de ce modèle inflationnaire, c'est-à-dire de l'idée que ces périodes d'inflation dans lesquelles l'univers a comme des hoquets, des sursauts, pourraient expliquer à la fois la planitude de l'univers et l'isotropie du rayonnement thermique, sont remis en cause. Je ne sais pas quel sera l'avenir, mais il est clair qu'il y a des problèmes sérieux et que peut-être on sera amené à changer d'explication. Enfin, ça aussi, c'est de l'astrophysique qui est en marche, c'est de l'astrophysique qui progresse, et là aussi, il faut suivre les nouvelles, il faut regarder dans vos journaux du matin, on a même quelquefois des informations dans nos journaux du matin, pour savoir quels sont les développements, tout aussi bien sur le plan de l'expérimentation que sur le plan de l'observation et de la théorie.